Elle a tué sa mère qui lui a fait croire qu'elle était malade. Voici l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Sa mère, Didie Blanchard, a menti sur l'état de santé et les handicaps de sa fille, Gypsy, et ce, depuis la naissance. Elle a fait croire qu'elle était atteinte d'une leucémie, d'une dystrophie musculaire, et qu'elle devenait aveugle et sourde. Elle lui a notamment donné des médicaments pour la rendre malade, lui a rasé la tête, et l'a forcée à se déplacer en fauteuil roulant pendant des années. En 2015, après avoir découvert que sa mère lui avait menti toute sa vie, Gypsy l'a assassinée avec l'aide de son petit ami de l'époque, invoquant des années d'abus. Elle a passé plus de 8 ans en prison. En 2017, elle a déclaré dans une émission s'y sentir plus libre que lorsqu'elle vivait avec sa mère. À sa sortie de prison, son histoire a été très médiatisée aux États-Unis et a fait l'objet de nombreuses séries et documentaires. Des millions de personnes ont manifesté leur soutien à Gypsy sur TikTok, ont célébré sa libération et son glow-up post-prison. Elle est apparue dans de nombreux talk-shows avec son mari, Ryan Anderson, qui lui a écrit une lettre alors qu'elle était en prison, et 2 ans plus tard, ils se mariaient. Jeudi soir, elle a annoncé leur séparation sur son compte Facebook.